J'ai mes 15 mailles de nouveau. Là, je vais commencer à travailler en point élastique. Donc, comme ça. 1-1. Un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'envers. Je sors la maille lisière et je commence à faire un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'endroit, à l'envers, pardon, un point à l'endroit. Donc vous allez continuer de cette façon. Ensuite, le rang numéro 2, vous faites toujours, en fait, pendant 15 rangs, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. J'ai terminé mes 15 rangs de points élastiques. Donc normalement, ça n'a pas cette forme ici, je le précise, c'est droit et c'est long, comme dans l'écharpe originale. On a 15 mailles, il faut qu'on en ait 29 de nouveau. Donc comment faire? On sort la maille lisière et dans toutes les mailles, on va tricoter, on va faire une augmentation. Donc en prenant, regardez, la maille précédente, vous la prenez, vous tournez, vous la mettez sur l'aiguille de gauche. Et là, on la tricote à l'endroit. On tricote la suivante. De nouveau, vous prenez la maille du rang précédent, vous la tournez et vous la tricotez à l'endroit. Et vous allez faire ça dans toutes les mailles. Maintenant que j'ai retrouvé mes 29 mailles, ce que je vais faire, c'est travailler en point mousse 8 rangs, comme tout à l'heure. Donc 8 rangs, vous allez tricoter tous les rangs à l'endroit. Et ensuite, au 9e rang, vous allez commencer les deux rangs du point péruvien. Quand on termine les deux rangs du point péruvien, on refait 8 rangs de point mousse droit. J'ai terminé mes 8 rangs de points mousse. Maintenant, on va commencer les diminutions. Donc, c'est deux rangs qui vont faire que se répéter. Donc, du côté endroit, on va faire les diminutions. Et du côté envers, on va tricoter les points mousse, les mailles à l'endroit normalement. Donc, je vais vous expliquer. Vous sortez la maille lisière sans tricoter. Les deux suivantes, vous les tricotez ensemble à l'endroit. Vous tricotez tout votre rang à l'endroit jusqu'à qu'il vous reste 3 mailles. Quand il vous reste 3 mailles, vous faites une diminution simple. Vous passez une aiguille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Vous tricotez la suivante et la maille qu'on n'avait pas tricotée, on la passe par-dessus. Et vous finissez par la maille lisière à l'endroit. Le rang suivant, que c'est sur l'envers du travail, tout le rang à l'endroit. Vous allez continuer à alterner ces deux rangs jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles au total. Donc maintenant que j'ai fait ça, je ferme les mailles tout simplement. Donc je sors la première maille sans la tricoter, je tricote la suivante et je passe par-dessus. Je coupe mon fil et je tire. Et là, j'ai terminé mon second côté de l'écharpe. Voilà, donc là j'ai mes deux côtés. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, vous allez cacher tous les fils qui restaient et ensuite on fera le contour de l'écharpe qui est en point de crabe. On prend l'écharpe et le nouveau fil et on va venir piquer quelque part, voilà. Ramener le fil. Et maintenant, je vais reculer. Je vais piquer dans la maille arrière, ramener le fil et en fait, je vais faire des mailles serrées, mais en piquant toujours
dans la maille arrière. Hop. Avec un crochet numéro 5, bien sûr. Et vous allez faire tout le tour de votre écharpe de cette façon et elle sera terminée.